Salut à tous, c'est 8estApp4u et aujourd'hui, on se retrouve pour le test d'une nouvelle application disponible sur l'App Store. Cardiograph est une application disponible sur l'App Store pour iOS 5.1.1 et ultérieur au prix de 1,79€. Cardiograph va nous permettre de mesurer notre pulsation cardiaque grâce à la caméra de son iPad, iPhone ou iPod Touch. Passons tout de suite au test de cette application. Donc, nous arrivons sur une interface assez ergonomique et très bien faite, avec différents boutons, tels que le son, donc pour activer ou désactiver le son, comme on va le voir plus tard, l'appareil photo, pour choisir l'avant ou l'arrière, différents boutons, tels que le profil, pour sélectionner donc ce profil, on peut très facilement sélectionner son profil, passer d'un à l'autre très très facilement, comme créer un profil, ça aussi très très facilement, par exemple iPad, voilà, on va pouvoir donc sélectionner iPad, donc il nous dit bienvenue iPad, je vais me remettre sur 8estApp4u, on va pouvoir consulter ses archives. Bon, là pour le moment on n'a pas encore fait de mesure, on en fera plus tard et je retournerai sur ses archives. Une aide, donc qui va nous permettre de nous expliquer le démarrage rapide, description, les écrans d'archives, la localisation, l'écran profil, iCloud, astuces, le saviez-vous, partager, cardiograph. Voilà, c'est très long à lire, mais bon, si vous avez du courage, vous pouvez essayer. Donc on va tout de suite passer au test. Donc pour le test, pour faire la mesure, c'est très simple, il suffit de poser son doigt sur la caméra, donc soit frontale, soit arrière. Sur la caméra, appuyez sur Start Stop, là, donc sur le bouton Power. Donc, vous venez d'entendre les trois bruits des trois pulsations. Ceci survient quand on pose mal son doigt sur l'écran. Donc voilà, maintenant je l'ai bien posé. Donc vous voyez que ça fait un battement très régulier. Donc sur l'écran là, on voit les battements par minute, l'heure, la date, donc la fréquence cardiaque quoi. Le niveau de batterie. Voilà, donc là on a terminé la mesure. Donc il nous dit l'heure. Il nous dit qu'on a fait 80 battements par minute. Donc on va refaire juste un petit test. Voilà. Donc là il nous dit ajustement en cours. Donc vous voyez, vous entendez bien le bip bip qui signale notre pulsation cardiaque. Donc si vous essayez, vous ne pouvez pas voir, mais je peux vous assurer que ça fonctionne parfaitement. Car j'ai essayé et j'ai vérifié sur mon cœur en même temps. On peut facilement désactiver le son. Car à force, ce bruit nous énerve un peu. Voilà. Donc là, il a terminé la mesure. Donc on va pouvoir après consulter dans les archives les dernières mesures, par exemple ici. On va pouvoir ajouter une note, par exemple, donc il nous propose des choses, donc on va par exemple mettre chez soi après le sport, par exemple. On peut mettre différentes choses, on peut le partager, on peut l'envoyer par email ou l'imprimer. Voilà. Voir sur la carte la localisation, donc là où ça a été pris. Et bon, bah voilà. Donc c'était le test de cette application Cardiograph disponible sur l'App Store au prix de 1,79€. Je vous souhaite encore une bonne journée et à bientôt pour de nouvelles vidéos.